bourgeois. Entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance qui chante et qui danse et vogue, vogue la galère, le cap sur la poème et vogue, vogue nos chimères, le cap sur la poème. Y'a des cigales dans la fourmilière et vous pouvez rien y faire. Y'a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Salut Internet, c'est Jeff de Guitar School pour un nouveau tuto guitare. Aujourd'hui au programme, je vous fais la rue qui est à nous avec son titre Les Cigales, sorti sur leur deuxième album Il y a des cigales dans la fourmilière. Dans cette chanson, on est plutôt en ambiance jazz manouche. Il y a deux parties, couplet et refrain. Je me rapproche et je vous explique tout ça. Je vais commencer comme d'habitude par faire le tour des accords, puis le rythme et après les structures couplets et refrains en détail. Les accords, il y en a 6. Le premier est à Ré mineur, index sur la première case de la première corde, majeur, deuxième case de la troisième corde et annulaire, troisième case, deuxième corde et vous jouez les 4 premières. Vous aurez aussi un La mineur, index sur la première case de la première deuxième corde, majeur sur la deuxième case, quatrième corde et annulaire, deuxième case, troisième corde et vous jouerez les 5 premières. Vous aurez aussi un Mi 7. Alors le Mi 7 par rapport à la mineur, vous remontez la position d'une corde et vous allez rajouter votre auriculaire sur la troisième case de la deuxième corde. Là, vous pouvez tout jouer. Vous aurez aussi un sol majeur, index sur la première case, sur la deuxième case de la cinquième corde, majeur troisième case de la sixième corde et annulaire et auriculaire sur la troisième case des cordes 2 et 1. Vous pouvez tout jouer. Vous aurez aussi un Fa majeur. Alors là, c'est un accord barré, il faut faire l'accord barré. Vous allez barrer avec votre index la première case et avec votre majeur annulaire auriculaire, vous allez faire la position du Mi majeur que je vous ai détaillé, hein, le Mi majeur comme ça, et vous allez le faire du coup avec le majeur annulaire et auriculaire sur à partir de la deuxième case. Voilà pour le Fa majeur, et vous aurez au final un Do majeur, index sur la première case de la deuxième corde, majeur sur la deuxième case de la quatrième corde et annulaire sur la troisième case de la cinquième corde. Et vous pouvez tout jouer. Alors, au niveau du rythme, on va faire un rythme, allez, c'est pas tout à fait le rythme manouche, mais ça s'y rapproche. On va prendre le cas du couplet. Sur le couplet, vous avez juste deux accords, donc le Ré mineur et le Mi 7. Je répète, Ré mineur et Mi 7. Sur le Ré mineur, vous allez faire la base de Ré, c'est-à-dire la quatrième corde à vide, bas, et vous allez faire un coup vers le bas. Et après, on va faire au bas. Mais il va falloir être très, très rapide sur tout ça. Donc on fait basse, bas, au bas, 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 basse, bas, au bas. Et donc pour le et ça va être la même rythmique pour tous les accords. Donc on va faire ça deux fois à chaque fois, basse bas au bas, basse bas au bas. Et la même chose pour Mi. Ce qui va changer, c'est la basse de Mi est en sixième. Donc basse bas au bas, basse bas au bas. Pour le Ré mineur, pareil, on revient en Ré mineur, basse bas au bas, basse bas au bas, Mi basse bas au bas, 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 basse bas. Bourgeois, entends-tu passer dans ta rue? Et vous avez là, avec cet enchaînement des deux accords, toute votre structure couplet. Au niveau du refrain, on va retrouver du coup le Sol, le La mineur, le Fa et le Do.
Pareil, vous allez faire deux fois le schéma basse, bas, haut, bas. Alors la basse du sol se trouve en sixième, la basse du la mineur en cinquième, la basse du fa en sixième et la basse du do en cinquième. Je vous fais déjà la première partie, donc sol, basse, bas, haut, bas, le la mineur basse en cinquième, basse, bas, haut, bas, basse, bas, haut, bas, le fa, basse, bas, haut, bas, basse, bas, haut, bas et le do. Il y a des cigales dans la fourmilière et vous pouvez rien y faire. La deuxième partie, on retrouve le sol, le la mineur. Et là, pour la finale, on va faire une fois sol, une fois fa, et mi 7 qu'on va retrouver deux fois. Donc ça fait « Y'a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. » C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je tiens à rappeler que mes vidéos ne sont pas monétisées. Vous pouvez soutenir ma chaîne et mon projet en faisant un don du montant de votre choix sur ma page Tipeee. Le lien est en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao !